Salut à toutes et à toutes, c'est Hammer d'Histoire Games et aujourd'hui on se retrouve avec Brasidas Bonsoir. pour une vidéo découverte sur le DLC Charlemagne sur le jeu Attila Total War. Donc tout d'abord, comme son nom l'indique, nous sommes donc placés en 768 après JC, au début du règne de Charlemagne. Et peut-être que tu veux présenter un petit peu Charlemagne, qui c'était, etc. vite fait. Oui, Charlemagne, il est connu comme étant le premier empereur d'Europe. Et donc là, on part au début de sa vie, de son règne. Et donc le royaume des Francs est partagé en deux entre son frère Carloman, donc qui possède une bonne moitié de la France actuelle, et Charlemagne qui possède l'autre moitié. Donc l'un des objectifs du jeu, ce sera de reprendre les territoires du frère de Charlemagne, Carloman, ou pas. Car oui, il y a des objectifs historiques qui suivent assez bien la trame historique, et on peut choisir de ne pas les suivre, tout simplement. Donc tout simplement d'un point de vue historique, c'est-à-dire en termes de cohérence, etc., par rapport à ce qui s'est réellement passé, entre autres le règne de Charlemagne a vraiment été marqué par tout ce qu'on a pour, enfin par des conquêtes militaires. Hein. C'était un chef guerrier, hein, on peut dire ça comme oui, on peut totalement le dire. Oui, c'est ça. Notamment par ça au début, hein, il me semble que il a d'abord commencé par une campagne militaire à l'encontre des Lombards. Donc voilà, donc ça suit une vraie, ça suit la réalité entre guillemets, enfin ce qui s'est passé. Et libre à nous de suivre ou pas du tout. Donc maintenant, je vous propose, on va parler des quelques toutes petites et très peu, oui, en termes de nombre, des toutes petites fonctionnalités qui ont été ajoutées ou au final enlevées. Donc tout d'abord, on va commencer un peu à la façon de certains paradoxes interactifs de certains jeux qui ont été développés par ce studio. On pourra notamment parler de March of the Eagles, de la fatigue de la population, de l'usure de la guerre en fait. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur cette petite truc. Oui, alors plus on fait la guerre et plus la guerre dure longtemps, plus la fatigue de la population se fait ressentir. Donc ça se traduira par une baisse de l'ordre public dans les villes, un risque de guerre civile qui est accru, et aussi des revenus qui sont en baisse. Donc l'objectif, c'est de faire une guerre courte et rapide, et victorieuse si possible, et de faire la paix avec son ennemi assez rapidement, pour pas avoir trop de malus. Alors, sauf erreur de notre part, on a donc une petite icône qui va s'afficher ici quand l'usure commence, enfin, quand la guerre commencera à peser sur la population. Néanmoins, depuis les interfaces de la faction, je ne vois en tout cas rien qui a été rajouté où on peut entre guillemets contrôler en temps réel les comment dire le comment réagit la population. Alors, sauf erreur de notre part, il n'y a pas l'air d'avoir cette possibilité de checker quand on veut cette nouveauté, on va dire. Bon, c'est un fait, hein, vous le verrez de toute façon quand il y aura des soucis. Et après, moi, enfin, c'est les petits malus, hein, Oui, car. voilà, c'est des petits malus. Après, voilà, c'est pas non plus. Alors, c'est vrai que par rapport à un des jeux que je parlais tout à l'heure de Paradox Interactive, par exemple dans March of the Eagles. C'est aussi des malus, mais bon, on va dire qu'on peut vraiment checker en temps réel comment la population va plus ou moins, si elle est pour, si elle est contre, etc. Bon, bah là, c'est le cas, mais en moins visible, on va dire. Ensuite, on va parler des factions générales. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, si la taille de la carte, peut-être. Oui, elle a été réduite, donc on n'a plus l'Afrique, ni le Moyen-Orient. Donc oui, ça réduit grandement. Voilà. L'espace de jeu par rapport à Attila, bon, ça C'est c'est clair. recentré sur l'Europe de l'Ouest, C'est ça, c'est pour bon. la vérité. Bon, après, bon, c'est aussi le but, vu que c'est Charlemagne, mais bon. Ils auraient pu mettre l'Empire byzantin, quand même, car il y a eu Ouais. des Bah, c'est longtemps. vrai que déjà que, ouais, c'est vrai que. En termes de nouveautés, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose qui transcende le jeu, même pas du tout en soi. Hein. Ça aurait pu très bien être ajouté ou pas, enfin. Ça aurait pu être un DLC non payant, mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en reviendra tout à l'heure. L'intérêt de ce jeu, c'est que ça traite une période qui est assez peu traitée dans les jeux vidéo. Ça, C'est c'est ça. toujours un bon point. Surtout, enfin, l'histoire de France, c'est qu'en soi, elle est rarement ou très peu traitée, à part bon, dans certains, on va dire blockbuster, enfin, blockbuster, façon de parler comme Assassin's Creed ou autre, mais c'est vrai que en dehors de ces quelques-uns, il n'y a pas des masses de jeux qui parlent de l'histoire française. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On fait avec. Ensuite, on pourra donc parler aussi qu'il n'y a plus d'ordre au niveau de la population. Non, les hordes ont été supprimées car il n'y a plus de civilisation nomade à cette époque. Donc, c'est-à-dire que la grosse fonction, enfin,
ce que prônaient, on va dire, les développeurs comme une grosse nouveauté par rapport à Attila, le fait Et d'avoir toi? des tribus nomades, de vraiment de partir comme ça et de pouvoir vivre en tribu tout simplement, et ben ce concept a été entre guillemets enlevé, bon évidemment pour sûrement coller à un souci historique, mais bon, donc leur grosse fonctionnalité en soi est disparue, on va dire. Puis ensuite, on peut, il n'y a plus grand-chose à dire. On pourra, comme vous l'avez vu rapidement à l'instant, avant que je passe mon tour, tiens, je vous remonte là. L'art de technologie ont été grandement réduits. Après, en soi, même s'ils ont été réduits, ça ne change pas grand-chose, puisque ce sont d'autres technologies qui permettent d'autres choses, qui permettent, comme d'habitude, selon les bâtiments, enfin, selon les technologies que vous allez rechercher, vous allez pouvoir développer tel bâtiment, y avoir telles unités ou avoir tel bonus ou malus en fonction des bâtiments, enfin, selon les bâtiments que vous construisez, etc., grâce aux technologies, bref. Ils ont Rien. simplifié en deux branches, ils ont mis la branche militaire et la C'est branche ça. civile. Donc en soi, voilà, rien de bien, bon, rien de transcendant, et ça, c'est resté, on va dire, un grand classique des Total War des uns aux autres, hein. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Et puis bon, vous allez voir tout à l'heure en bataille au niveau des unités, bon, quelques-unes de nouvelles, mais là encore, rien de bien. Ouais, ça reste basique. C'est très basique. Et puis, comme l'aura souligné Endes dans son test, une ambiance plus détendue, moins sombre, moins apocalyptique, chaotique que dans Attila Total War. Eh oui, il n'y a plus de grands méchants. Là, on est vraiment revenu, on va dire, comme d'habitude, si je puis dire. Donc, sur ce, avant de conclure sur cette vidéo, nous allons vous montrer une petite partie de bataille, voir ce que ça rend. Bon, ça changera pas grand-chose d'Attila, de toute façon. Et on se retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve directement sur le champ de bataille. Sous la pluie. Oui, et en compagnie de Brasidas. Enfin, Brasidas est mon ennemi pour le coup. Il se trouve derrière cette petite rive qui serpente au milieu de terre. Et du coup, on va vous montrer un peu tout ça. Mais là encore, rien de bien exceptionnel qui va se passer. Enfin, ça, après, c'est classique, hein. Ça reste un Total War. Enfin, et vu que ce lâche de Brasidas ne veut pas. J'arrive, j'arrive. J'ai pas peur. Ah, t'as vu, c'est toi qui attends en plus. Pour l'instant, les seuls qui marchent, c'est moi. Hein. Bon, ils avancent pas. Hein. Après, c'était En tout cas, ils bigleux. ont fait un nouveau look hein, pour les unités, heureusement. Ouais, après, ça correspond peut-être un peu plus à l'époque, c'est sûr. Même toi, ils étaient pas encore hyper équipés. Hein. Bah, écoute, tu vois la gueule, c'est-à-dire qu'on est encore loin du M4 ou du FAMAS, Ouais. Les miens sont encore en pyjama quoi. là. Allez. Ah, pour moi, on peut dire qu'ils avaient des couilles, hein. Donc. Parce qu'aller au combat comme ça, habillé comme ça, Il fallait le faire. j'imagine même pas entendre plus. C'est vrai que ça doit être la galère, mon gars. Oh, la banane. Alors, moi j'ai Charlemagne, donc est-ce qu'il ressemble à un truc? Est-ce Ah que oui, bah tu peux zoomer dessus, tiens, tu peux le montrer. t'es potable? Montre-toi à tous ces jeunes gens qui nous regardent, qui vont s'abonner à notre chaîne. Bon, allez, je charge. Et il a une belle couronne, hein. Il est beau, il est tout beau. Bon, bref. Bref, donc voici nos troupes qui s'affrontent, ouais, qui se balancent des piques dans la gueule. Salut, Kyo. Faut dire que t'es en supériorité numérique. C'est moi qui Non. attaque en plus. Ah, moi j'attends, hein. Ah bah oui. J'attaque, mais en statique. Ah là, non, tu Ouais, peux. tu campes. Donc, ici, les hommes se précipitent. Et on Ça va, tu relance. fais pas trop de dégâts pour l'instant. Ah, t'as aussi des meufs? Non, non. Ouais. Pas entendu. Ah non, j'ai compris que t'as dit qu'il n'y avait pas que des gars. Ah non, tu me fais pas trop de dégâts. Ah! Pardon. Eh, tu vieillis, hein, mon Alors, tu me parles tellement de filles en ce moment que. Le pauvre, comprenez, il est un petit peu en manque. petit Oh, enfoiré! Ah, il fait moi le malin! Hein. Ah oui. Bon, de toute façon, ici, y a rien de bien exceptionnel. Ça fait penser, t'avais Total War Arena ou pas? Non. Non, j'ai Non. pas joué. Ouais, ça change pas grand-chose. Donc, tant qu'à faire, pendant que nous sommes dans une bataille périlleuse, je te propose de parler d'un truc qui va être super alléchant, c'est la politique des DLC. Est-ce que, par exemple, pour Charlemagne, est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire. Enfin, d'un point, je sais que tu vas répondre oui, mais est-ce que. Ce genre de DLC, franchement, ça apporte pas grand-chose, quoi. Enfin,
Enfin, c'est pas que ça apporte pas grand-chose, mais... Mais bon, pour les passionnés de la période, ça peut être sympa. C'est vrai, mais en termes de contenu en soi, parce qu'après, il faut le payer, et en plus, et je sais même plus combien, ça doit être assez élevé entre une... Ouais, une quinzaine. Ouais, 15 euros quand même, hein. Ouais, un petit peu moins. C'est... Mais... Enfin, je veux dire, tu peux largement t'acheter d'autres jeux qui sont pas trop mal, quoi, hein, entre nous. C'est moche à dire, mais pourtant, c'est bien vrai, quoi. Enfin, 15 balles le jeu, quoi. Oh, laisse tomber, quoi. Enfin, le jeu, bon, c'est le DLC. C'est la politique de Sega, hein, faire des DLC. Ouais, mais le problème, c'est que ça paye pas des masses, hein. Enfin, bon, si, c'est sûr, ils font de la thune. Enfin, ça, je veux bien le croire. Oui. Ah, bah oui. Mais à quel prix, quoi. Enfin, bon, c'est bien gentil, mais... De toute façon, bon, ils ont bien vu. Ah, Charlemagne est mort. Ah oui, tu lui as balancé au plein milieu de la maison. Ouais, mais attends, ça c'est mes grands talents de stratège. Alors, si tu commences à critiquer, ça va pas le faire. Ah ouais, genre, c'est la grosse débandade. Genre, c'est quoi cette tapette? Ah bah, c'est ton armée, hein. Je t'emmerde. T'as signé que je suis une tapette. Petit con, là. C'est leur génère, ouais. Genre, les mecs, t'as un mec qui meurt, ça y est, ils sont tous en train de flipper comme des rats morts. Oh là là, les pédales. Bon bah voilà, c'était cool, allez, salut tout le monde. Voilà, bataille terminée. Je sens le grand vainqueur. Donc là, je vous laisse admirer mes gars qui ont des flèches qui sont transpercées de flèches, mais tout va bien pour eux. Donc là, tous mes hommes sont en train de faire quand même des putains de lâches. On sait qu'il faut qu'un balancer son général en plein dans la mêlée, c'est pas forcément la chose la plus intelligente, mais bon ouais. C'est de toute façon, pour ce qu'il a montré aussi, c'est bien la peine de faire des DLC pour... voilà. Bref, je vais pas dire que je rage, quoi, mais voilà, quoi. Il y a quand même pas mal de morts, mais quelque chose me dit que les miens vont pas tarder à céder. Ouais, ah, ils tiennent bien la ligne, quand même, hein. Bon, pas longtemps. Ah bah non, bah ils tiennent plus la ligne. Enfin bon, bref, donc encore un DLC parmi tant d'autres. Bon, c'est vrai que pour le coup, ça nous touche, nous, parce que c'est bah, Charlemagne, quoi, un royaume des Francs, voilà, trop cool. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'en termes de contenu, il y a vraiment pas grand chose de nouveau depuis Attila, quoi. Enfin, vraiment pas, quoi. C'était pour. Enfin, quand on regarde Attila, et enfin, il y a à peine une dizaine de trucs qui changent à tout péter, quoi. Bon, après, ils vont nous mettre dans leur changelog toutes les modifications qu'ils ont fait, mais c'est juste des changements de valeur, quoi. Donc, bon. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc toi, tu le donnerais quoi plutôt comme note? Je sais qu'MDF lui a donné une petite note de 15 sur 20. Est-ce que toi, personnellement, tu serais d'accord ou pas? Je donnerais un peu moins, ouais. 13. 13, ouais. Ouais. Bon, ça reste sympathique, mais bon. Bon, je pense que tu seras viré dans l'air. Hein. Un peu cher, quoi. Non, ouais, c'est vrai que 15 euros et tout, ça fait quand même bien, bien cher. Bon, bah, c'est comme ça, en tout cas. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que... Ah oui, tu voulais dire un truc, pardon. Oui, je voulais dire que c'était un mode payant en fait. Les modeurs auraient pu faire la même chose. Ah oh, oui, en même mieux, en même mieux. Amis du Sargame, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo découverte de Charlemagne sur Attila Total War. Sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la chaîne historiagames.com. Mais aussi sur la chaîne et à vous abonner. Et pour terminer, je vais vous dessiner un joli ticker. Ça fait, voilà, c'est bien dégueulasse. Voilà. Voilà, un joli ticker, enfin un petit cœur. Waouh, c'est trop trop beau. Allez, vas-y, voilà, je vais vous dire au revoir. Eh bien, au revoir. Et moi aussi. Et sur ce, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, à ciao.